Hey, j'espère que vous allez bien. De retour dans ma petite vie normale. Pas à l'hôtel pour rien, on a été beaucoup à l'hôtel dernièrement, mais là, c'est fini. Nos vacances ailleurs, si je pourrais dire, sont faites. Je suis en train de manger mon gruau protéiné, puis là, je me suis comme maquillée ce matin, mais pas de mascara. Puis je me suis pas maquillée. Le chat, Gérald, il m'a sauté dans la tête quand j'étais couchée. Très, très plaisant comme réveil. Et sans rendez-vous pour comme on fait couper ses griffes. Et genre, mi-août. Mais comme. Parce qu'on le fait. Au monde où. Parce qu'on achète. On tend la litière là-bas. Là. T'as besoin d'aide? Ce que je disais, Camilla est rendue à son bac de pâte à modeler. Elle avait un bac de genre de Lego Duplo. Ça traîne un peu. Ah, c'est ça. Peut-être le week-end de ma fête, au mois d'août, j'aimerais qu'on fasse du camping. On l'a pas fait. Fait que c'est à voir, là. Mais en tout cas, c'est fini les hôtels. Voilà les tablettes! Ça, en fait, on leur a acheté des tablettes, on leur avait pas donné encore. En train de toutes les arranger là. Fait que c'est ça, j'ai comme pas full d'énergie là, je viens de me faire mon café mais il reste presque plus lait. Je peux même pas remplir pour aller à la ligne cappuccino. Oh, ça va être fort. C'est très fort. Fait que on va aller au Costco parce que écoutez, ça fait vraiment longtemps qu'on a pas fait de grosses épiceries. Très longtemps, là. Vraiment. Fait qu'on va avoir du. Genre, j'ai plus de pain. J'ai comme. Il me reste un bol de céréales. J'ai plus de lait. J'ai plus de yogourt. J'ai plus de fromage. On a besoin d'aller là-bas. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Atelier de travail. Puis après, c'est. Il y a trois congés. Vendredi, samedi, dimanche. Fait que c'est rare, vraiment rare qu'il y ait vendredi congés, mais pour les. Le prochain mois, il y en a 3 sur 4. Fait que c'est bien le fun. Donc, on vient du Costco. Ça a coûté genre 629 $, je pense. Ça a coûté très cher. Les enfants d'une en arrière. Fait que c'est ça. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je vous montre ça. Fait que on a pris une caisse de Gatorade qui est dans le garage et une des bouteilles d'eau aussi. Fait que c'est dans le garage. Fait que je vous montre le reste. On a économisé, je pense, 29 $. Des papiers de toilette. La pochérie nous en restait, mais pas beaucoup. On a acheté des pains hamburgers parce qu'il nous reste des lourdes de galettes de bœuf du Costco. Fait que c'est ça, on avait besoin de pain. J'ai dit voulait du pain au raisin. On a pris les barres. Cool safe, banana bread, là. Et Jade qui voulait vraiment ça. Vraiment, vraiment. je trouve que ça reste moins beau longtemps. Fait que. Attends, finis ta pizza, bébé. Alors. Finis ta pizza. Donc, humus régulier, il était en spécial. Et on a pris aussi humus poivron rouge. Nous en faisons un smiley critter sonic. C'est beau. Clamato, c'est pour moi. Pour faire les virgin scissors. Bébé, t'en as encore dans ton assiette, là. Oui, attends. Les miches de pain protéinées, bon matin. 11 grammes de protéines, je pense. 14 grammes de protéines pour deux tranches. Des petites miches pratiques pour les enfants. On a pris les dents actives qui étaient en rabais, deux paquets comme ça. Des gaufres, ça fait vraiment longtemps, là. C'est pratique là, pour les déjeuners justement cet été. Comme... C'est pratique. Voilà. Et des pâtes d'ours. Il a pris aux pépites de chocolat. Sirop d'érable. Il m'en restait presque plus, genre une gauche. Et les mini concombres étaient en spécial. Sur l'habitude, je prends des grands concombres. Les petites tomates aussi étaient en spécial. Fait que voilà, j'ai pris ceux-là. Deux paquets. De bananes.
Là, j'ai vraiment beaucoup de stock. Fait que ce soir, on a du pain en télétravail. Fait que ça va être des tacos aux crevettes. Alors, je peux demander ça. Puis, je suis bien contente. Parce que je les adore. Hein. On va encore un lèvre. Oh, mystérieux. Hein? On va encore un lèvre. Ah, ouais? Ok, ben, il y en a plus en haut. Fait que. On en a pris trois. Ouais. Des cerises, il est en spécial. Je vous montrerai pas. Bah, regardez. Je n'ai pris trois, là. J'ai juste pas de place. En tout cas, il y en a trois. L'alumi est en spécial, puis j'aime pas ça, manger ça en cube avec une canne de pain. On avait besoin de viande, fait qu'on a pris un paquet de poitrine de poulet. On a pris un paquet de bœuf haché. C'est du bœuf haché, mec, je pense qu'il y a pas ça. Des filets de porc, deux paquets. C'est vraiment pas cher. Là. J'ai vu une recette. C'était des filets de porc avec de la bruschetta et du feta puis je trouvais ça a l'air full bon. Comme farci. Yogourt grec nature. On a pris deux paquets comme ça. J'ai pris des ananas. J'aime vraiment les ananas. Fait que déjà tout tranché, c'est fun. Les autres choses n'étaient pas vraiment dans mon prix. Des crevettes. J'ai pris ces crevettes-là. Bon, je suis en train de bouger. Je vais tout ranger ça. La bruschetta comme ça pour dans le porc. Là. Mon Dieu, ça fait très chaud. Tiens, on est revenu tout de suite après le Costco. L'aigle fin, les enfants aiment ça. Il est en rabais. Je voulais du saumon. Cette fois-ci, j'ai pris le saumon déjà tout assaisonné. Sauvage comme ça. Il est full bon. Anthony a pris la petite, du petit couscous comme ça pour... dans le fond, dimanche, je vais se faire des meal prep. Et là, ça a tremblé. Fait que, tu sais, s'il veut pas de se mettre, mettons ça. Mini bocconcini pour moi. Manger avec des tomates, c'est full bon. Avec un glaze balsamique. Écoute, c'est vraiment très chaud. Des bleuets congelés, des fraises congelées. Je vais laisser ça dans la boîte. C'est tout en train de décongeler. Yogourt, j'ai pris les probiotiques Kirkland. Parce qu'il n'y avait pas en rabais. Une autre fois, les yogourts comme ça. Je vais retourner pour vous montrer le reste. Parce que regardez, là, j'ai pas d'espace. J'avais besoin de savon à linge. Fait que j'ai pris lui qui est en spécial. Les craquelins pour manger avec le humus. Eux, les préférés des enfants. Ben, les préférés de Jaden, c'est les rouges. Mais là, ils les avaient pas. Il a pris des ziplocs pour congeler. C'était ça, selon le rabais, les plis Systema. Ça, c'est plus comme pour Anthony, pour faire des meal prep. Puis, même moi aussi, je vais pouvoir les utiliser. Pas pour les enfants, nécessairement. Mais c'est le fun, il y a des petits pots aussi. Et des céréales pour les enfants. Fait que je pense que c'est tout. Ouais. Allô? Je sais pas si vous allez voir dans ma room que je bois mon meilleur. Il y a eu un gros bond là, depuis que je vous ai filmé. Mon Dieu, qu'est-ce que je passe? Camilla est capote, là, excusez. Amanda est en train de dessiner et elle veut pas partager ses crayons feu. Est-ce qu'il est correct là? Elle veut pas qu'elle dessine son dessin. Je vais me nettoyer le visage en vous parlant. Fait que l'huile de Amia. Ouh! C'est ça. Il est à peu près 7 heures. J'ai pas encore mangé, mais je vais manger là. Je l'ai étudié ce matin que mon chat m'a sauté dessus. Regardez, ça m'a fait une bosse. Ses griffes. Non, je vous l'ai dit. Fait que, c'est ce que je voulais dire. C'était. Ça fait du bien, c'est la face. quand j'ai couché Camilla en après-midi, je filais pas trop, là. Au niveau du ventre, genre, j'avais mal au ventre. Puis. Les filles jouent en chambre à ma mère. Fait que je filais pas super, là. Puis là, finalement, quand j'ai commencé à avoir mal à la viscule. Ah, sérieux, là. Je suis vraiment tannée. Il faut que je rappelle, là. Je vais rappeler pour me faire remettre sur la liste pour la chirurgie. C'est ça que je vous ai dit l'autre fois même. J'attendais que l'été finisse. Parce que pour elle, il n'y a pas. J'avais pas attendu tant que ça. En tout cas, bref, c'est ça. Puis, j'ai dû genre faire la morte sur le sofa. Pour vrai, ma journée était... Ben, on a été au Costco, puis j'ai rangé les trucs du Costco, mais...
en général, ma journée a tellement pas été productive, là, puis j'avais tellement d'affaires que je voulais faire, comme, pour me remettre à jour, tout défaire les bagages, puis plein de lavage. J'ai juste eu le temps de laver mes draps, puis une brassée de genre serviettes, puis de maillot, là. Ça, en tout cas, c'est la vie, là. Là, j'ai plus d'énergie. J'ai pris un café. J'ai pris un café à genre 6 heures. C'est ça, j'ai pas soupé. Oh mon dieu. J'ai pris un qui est tout détruit. C'est ça. J'ai pas soupé parce que j'attendais de vraiment plus avoir mal. Mais tu sais, j'ai dû prendre la morphine, là. Fait que. C'est ça. Fait que là, j'ai plus mal. C'était les tacos de crevettes, mais j'ai fait manger tout le monde. Je voulais. Hey! Je vous reviens là-dessus, là. Je capote. Genre, sur le nettoyant de Alua, le Pore Cleansing Stone Foam. L'odeur, c'est débile. J'adore. Puis j'adore la fraîcheur. Oui. Les gars qui montent. Fait que là, je vais vous parler de mon travail parce que je vous ai pas dit encore ça allait être quoi mon horaire de travail, puis tu sais c'est vraiment officiel là. Tantôt j'ai même eu parce qu'elle m'avait demandé quoi, nettoie le visage. Ok, absolument. T'as toujours mal? Non, j'ai plus mal. Ouf. Heureusement. J'ai, mais comme ça me pèse un tout petit peu là, mais je vais bientôt souper. Je suis mieux. Merci, Marek. Alors, c'est ça. Tantôt, j'ai eu un courriel de ma gestion à mon travail pour me dire que. Enfin, j'ai demandé, c'est ça. Comme ça fait longtemps que je travaillais, je vais pouvoir avoir comme une formation mise à jour. Là, tout évolue, genre. Pour les dossiers, les. Tout en général. Fait que. Si on fait la facturation tout en salle, ça va changer. Fait que. Les codes, c'est loin dans ma tête. Fait que, en tout cas, bref, j'ai envoyé une formation. Puis là, je commence le 16 à travailler, mais ça va être la semaine d'avant. Fait qu'elle m'a dit que je pouvais soit faire un bloc de 6 heures ou deux blocs de 3 heures, comme je préférais. Mais, genre, j'ai mis 6 heures. Puis en même temps, je suis pas de fun. Je vais pouvoir préparer ma salle. Et comme ça, je vais pas me perdre. Tu sais, le 16, dans le fond, je vais avoir des patients, là. Fait que, je vais savoir tout où sont mes affaires. Puis tout. Fait que ça, c'est vraiment fun. Oh. Ça me fait mal à ma bosse. Regardez. Mais j'ai bien nettoyé là, avec du savon pis tout, là. Fait que, tu sais, j'espère que ça ne vitera pas, là. Ben, je pense, ben, c'est sa griffe. C'est pas, je pense pas qu'il m'a mordu à tête, là. J'avais les yeux fermés, je sais pas. Mais pour la suite, c'est sa griffe quand il est comme sauté sur le lit. My god. Une chance, c'est jamais. Genre, ça prend la fois que ça arrive, c'est ça, je pense, pendant que je me repose, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous parler de mon horaire. Viens vite, là. Oh mon dieu, ça m'est très en même temps. Fait que moi, je voulais un total d'environ 20 heures par semaine. Puis là, je vous l'ai dit, là, je vais changer de clinique. Là. Je suis à la clinique à côté de chez moi. Ben, à côté, super proche de chez moi. Puis j'ai. Tantôt, on a fait le trajet, là. C'est à 5 minutes du gym que je vais. Fait que c'est tellement le fun, là. Genre, c'est parfait. Fait que, à comme 8 minutes peut-être de chez nous, genre, environ. Alors, fait que, c'est ça. Là, mon horaire, ça va être, je vais faire, dans le fond, tu sais, il y a 4 semaines dans un mois, fait que, 2 lundis, les 2 semaines de suite, je travaille le lundi de 8h30 à 4. Dans le fond, mon patient est à 9, fait que je commence à 8h30. Puis, quand tu finis à 4, c'est genre l'heure que ton patient finit. Fait que moi, en général, je finis tout le temps vers la même heure. Mais c'est vraiment l'heure de, comme, ouverture, fermeture. Fait que, tu sais, je vais sûrement finir un peu après 4 heures. Tu peux finir, mettons, jusqu'à une demi-heure après ton shift. C'est pour aider tout le monde. Fait que, genre, 7h30 à 4h15 pour mes 2 lundis de suite. T'sais, dans le fond, c'est que je travaille 2 lundis par mois, puis les 2 autres lundis, je travaille pas, mais c'est les 2 semaines collées. Mon mardi, c'est ma grosse journée, je vais faire 8h30 à 7, ok? Ça fait longtemps que je n'ai pas terminé à 7, mais j'ai accepté cet horaire-là parce que ça me permet d'avoir toujours jeudi, vendredi de congé, vous comprenez? Fait que c'est juste un peu une plus grosse journée, mais le voleur, puis c'est un film qui va gérer cette journée-là, puis moi, je vais arriver à la maison, puis tu sais, tout va être fait, là, c'est pas vrai, quelque chose. Fait que, tu sais, c'est correct,
Ça me permet que j'aille mon congé congé dans la semaine. On dirait que j'ai envie de savoir en face, excusez. Fait que, oh, je file vraiment mieux. Juste en parlant, je le sens. Là. Fait que, mardi, 8h30 à 7. Fait que, dans le fond, c'est comme 9 à 7, là, mais 8h30 que j'arrive. Fait que c'est une grosse journée. Mercredi, 8h30 à 5. Fait que, c'est ça, mais le fait que je suis juste comme à côté de la maison, genre, c'est vraiment le fun. Fait que, c'est ça. Puis jeudi, vendredi de congé. Fait que, tu sais, j'ai 2 semaines de 2 jours par mois, puis 2 semaines de 3 jours, mais ça, quand tu fais la moyenne, ça fait une moyenne de 21h30 par semaine. Fait que, en fait, il y a 2 semaines qui étaient moins d'heures, puis je pense que ça donne 18h, puis 2 semaines qui a plus d'heures. Et je trouve ça vraiment génial. Et en plus, tu sais, les pédagogues, souvent, c'est les vendredis, ou des fériés les lundis, même des pédagogiques les lundis. Fait que tu sais, je fais deux lundis par mois. En tout cas, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Puis là, j'étais comme... je parlais de ça avec Anthony tantôt. Tu sais, je vais pouvoir aller toujours au gym les jeudis, vendredis, quand les enfants vont être à l'école. Et je vais pouvoir aller au gym le lundi, quand je travaille pas. Puis les lundis que je travaille, je vais y aller après. Mon travail, c'est juste à côté, fait que c'est le fun. Je suppose que ça va être 1 heure qui est... J'ai jamais été à cette heure-là. Ça va être 1 heure qui est très achalandée, mais c'est pas grave. Fait que je suis vraiment contente d'être ça. Ça me fait drôle de penser, genre, je pense à pouvoir m'entraîner comme... Jamais j'aurais pensé ça avant. Je vais m'asseoir 2 secondes pour vous parler. Ah, j'ai plus de place, je vais faire de la place. Fait que c'est ça. Puis, éventuellement, quand je vais vouloir, je peux rajouter des heures le jeudi, ainsi que le, tu sais, le lundi, je travaille pas, des heures juste d'actes délégués, fait que dans le fond, c'est en dentiste. Fait que j'ai, éventuellement, je pourrais faire ça si je veux rajouter plus d'heures, mais comme, pour le début, ça va vraiment convenir parce que ça va être une grosse adaptation. Il y a Amanda qui a des cours de danse, elle est inscrite aux cours de danse, c'est les vendredis, je pense de 6 à 7, il me semble que je l'ai inscrite. Là, on a regardé déjà pour les gars qu'est-ce qui leur intéresse. Maverick, il va faire du taekwondo. Là, on regardait l'horaire parce que maintenant que je connais mon horaire de travail, on peut regarder les horaires, tu sais, pour l'automne sont sortis. Fait que le taekwondo, il y en a le lundi soir de 6h30 à 7h30. Mais c'est correct, tu sais, je finis à 4. Anthony, tu sais, il travaillera pas le soir, fait que, genre, ça va être parfait. Puis, Jaden veut faire du soccer. Fait que là, il a jamais fait de soccer. Jamais, jamais, mais ça l'a, il aime ça, jouer au soccer à l'école. Fait que là, j'ai regardé, il y a comme une session début d'automne de genre 7 semaines passées comme à l'extérieur. Et ça, c'est les samedis, mais c'est le fun, c'est genre, je pense que c'est à 11h. Fait que c'est pas très tôt. 10h30 ou 11h. Puis, après ça, c'est intérieur, c'est les mêmes heures et tout ça. Fait que, en tout cas, j'espère que j'aime ça. Mais tu sais, notre vie va être très occupée, on s'entend. Fait que, ça, c'est pour ça que ce nombre d'heures convient. Je vais pouvoir quand même avoir du temps à moi aussi. Tu sais, même si je travaille, c'est vraiment intense à ma boss. Checker ça, mon Dieu. Cool. Fait que c'est ça. Voilà pour mon horaire de travail. C'est sûr que mes mardis vont vraiment être intenses. Mais. C'est comme ça. Ça me permet que j'aille. J'ai du vendredi de congé. Puis, tu sais, même. T'sais, 2 semaines par mois, je vais avoir des week-ends de 4 jours et 2 semaines, 5 jours. C'est vraiment beaucoup, là. On s'entend que je vais pouvoir faire des petits voyages. Puis, tout, tu sais, quand il y a des pédagogues. Puis, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Le pipi, moi, je me suis rajouté du fit. 11h25. My God, il est tard. J'ai couché les enfants plus tard aujourd'hui à. Les filles à 9, les gars, vers 9h30, en espérant que les filles vont se lever plus tard demain. Puis là, j'ai comme ramassé, là. Je vais... Enfin, mon chef, on n'en voit pas. J'ai ramassé... Parce que j'ai rien ramassé la journée, là. Parce que je filais pas. Là, j'avais comme eu un boost d'énergie. Fait que j'ai ramassé toute la cuisine. Cuisine, salle à manger, salon même. Fait que... Je viens de me faire une collation de tomates, bocconcini, glaise balsamique. J'avais envie de saler. Fait que c'est ça que je vais me prendre. En écoutant genre un vlog. Puis.
Puis, c'est ça, je voulais vous dire un peu de nuit. Je sais pas si tantôt j'en ai parlé, mais c'est ça maintenant que je connais mon horaire. Poil de chat, depuis que je connais, maintenant je connais mon horaire, on pouvait regarder pour les cours à l'automne des gars. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Amanda est déjà inscrite à cours danse cheer les vendredis dans un groupe un peu plus vieux. Et Jaden, il veut vraiment s'inscrire au soccer, fait que ça va être le samedi. Puis ma vraie qui hésite entre karaté puis taekwondo, qui va être les lundis. Mais je sais pas si je vous en ai parlé tantôt. Fait que en tout cas, je vous dis bonne nuit, parce que quand même, parce que je mange juste ça, je vais prendre une douche. Et je vais aller m'écraser dans le lit. Et Anthony va arriver tantôt, puis il va être en 3 jours de congé. Fait que c'est le fun. Bye tout le monde!